7h29 minutes, dans quelques secondes, il sera 7h30. C'est l'heure consacrée à l'arrivée de presse sur la matinale de Stevie. Good morning, Cameroun. Good morning, monsieur René Narcisse Motto. Bonjour, Christian Romé. Good morning, Manda. Good morning, Narcisse. How are you doing today? I'm doing pretty good. I'm up. We thank God for that. Exactly. Mm-hmm. I'm glad you're doing great and that you're here. Well, it's time for the press review. We're going to go as per usual. We'll begin with the papers in the English language, and right after that, of course, Narcisse Motto and Christian Romé will take charge of reviewing the papers in the French language. This morning, I'm going to start with the Guardian Post Daily, and no surprise, today, the 6th of November, all the newspapers are talking, headlining on the subject of President Biya's ascension to power. On the front page of the Guardian Post Daily this morning, the big one, 37 long years in power. Could Biya have gone this far without Anglophones? Question on the front page of that newspaper this Wednesday morning. And you can read up some more on that story on page 3 of the Guardian Post newspaper of this morning. Still on the subject of President Biya's 37 years in power, there's this other subject. It's actually the editorial for the Guardian Post Daily this morning. Biya's balance sheet in 37 years. You want to know exactly what the president has been able to achieve, what he has done for the past 37 years. Well, you grab a copy of the Guardian Post Daily and you flip to its inner pages. Let's now look at the angle chosen by the Voice newspaper of this morning to on Biya's stay in power on the 6th of November. The paper writes, The Voice, umpteenth November 6th, on Savory anniversary presents for Lion Man. The paper adds, excuse me, Cameroon's AGOA firing, more threats from Trump, Guachi landslide carnage, Camto's CRM imbroglio, untimely exit of Apostle Ekema Patrick. And of course, on the front page of the paper, there is a picture of the Lion Man himself, President Paul Biya. Now, to get the details of this story, you have to get a copy of the Voice newspaper and, of course, flip to its inner pages. Now to Cameroon Tribune, still on the subject of November 6th. There's only one main story on the front page of the paper, both in English and in French. And the most part is covered by the picture, or is taken up by the picture of President Paul Biya himself. In English, the stories run from page 2 down to page 19. And on the front page, you read this, New Deal at 37, Working towards emergence. That is what you would find in the inner pages of Cameroon Tribune. Now, let's look at the other stories that have been treated this morning by the newspapers in the English language in Cameroon. Back to the Guardian Post newspaper. On the front page, we also see this story. After suspension from AGOA, Human Rights Watch demand global pressure to end atrocities in the Northwest and Southwest. Details in the inner pages of the Guardian Post newspaper. Also, the paper carries this other report. Camtel seals deal with Russian company to modernize services. You also get the details on page 3 of the Guardian Post newspaper. Now let's go back to the Voice newspaper. Of course, we are considering the other stories that have nothing to do with November 6th on the front page this morning. There's this one, Nalova Lyonga, boost morale of indomitable lionesses. You want to know how and on what occasion? Well, you have to get a copy of the Voice newspaper and flip to its inner pages. Cameroon and the dilemma of righteous indignation, another story treated by the paper this morning. And we have this other one, when government's unruliness pushes it to a tight corner. The details are also in the inner pages of the newspaper.
Meanwhile, we also have this story. The paper on the front page quotes a freed Muslim scholar, Abdul Karim, saying, "We didn't choose to be Southern Cameroonians. God did. Why?" Well, you have to grab a copy, of course, and dig into the inner pages of the paper. Unfortunately, I cannot read all the headlines because, well, you see, I have this copy, and it's not exactly clear. I cannot see all the words, unfortunately. But you know what to do if you want to read all the stories that are on the front page, or read all the stories in the paper today, in the Voice newspaper today. You just have to go and get a copy of the newspaper. Well, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon. We encourage you to get copies, so to grab copies of these papers or to go subscribe online and read so that you have all the full details of the stories we've mentioned and even those we haven't talked about. Now it's time to turn attention to what the papers are saying in the French language. Business of Narcisse Moto and Christian Wome. Over to you, boys. Merci, Manda. J'étais en train de lire quelque chose d'assez bizarre quand même. Là. C'est des compagnies de téléphonie mobile qui font déjà dans les transferts financiers. Il paraît qu'il y en a qui sont devenus des banques, vous appelez ça quoi, numériques. On fait des transferts électroniques, des banques électroniques. J'ai seulement dit que à faire des transferts financiers illicites en avant. Bien, allez, monsieur René Narcisse Moto, nous allons nous intéresser maintenant aux journaux parus en français par la revue transversale. Commençons donc. Un seul fait majeur aujourd'hui, 37 ans déjà en place du côté de Toudi en tant que chef de l'État au Cameroun. Paul Biya, puisqu'il s'agit de lui, bien sûr, célèbre son 37e anniversaire ce jour, la session de la magistrature suprême. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que la presse dit dessus? On va le découvrir à l'instant avec déjà Cameroun de Tribune qui dit à son lectorat ce matin que rien n'a changé, les objectifs sont les mêmes. Après donc 37 ans, le chef de l'État est resté constant dans sa politique, à en croire les propos de Cameroun Tribune ce matin qui nous invite en kiosque. Le journal renchérit en soulignant que le décollage économique et la prospérité du Cameroun restent la préoccupation majeure du président de la République et qui compte aujourd'hui 37 ans à la tête de l'État. L'événement qui coïncide avec l'an du septennat des grandes opportunités est une occasion de jeter un regard sur les avancées enregistrées en dépit d'un contexte politique, socio-économique et sécuritaire pas toujours favorable. Et le journal de nous inviter ce matin à lire donc son dossier spécial de plusieurs pages, de la page 2 à la page 19. Il y a donc du contenu à lire ou à découvrir chez nos amis du quotidien bilingue camerounais, Cameroun Tribune. La nouvelle expression en parle également. Un véritable casse-tête chinois dans les 37 ans de renouveau de Paul Biya. Il s'agit de la crise anglophone. On peut lire à la première de couverture de ce journal. 37 ans de marginalisation et de désillusion. Au lieu d'être la base d'une quête de paix durable dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, le Grand Dialogue National a accouché de recommandations dont l'absence de mise en œuvre aggrave la situation sur le terrain, souligne la nouvelle expression qui nous invite également à que ce jour pour mieux comprendre cette actualité on ne peut plus brûlante ce matin. Le messager de Jean-François Chanon en parle également. Peut-être faudrait-il déjà parler de ce septennat de grandes opportunités. Paul Biya, la force de la stagnation, peut-on lire en première de couverture de ce journal. Le journal qui nous rappelle ici qu'un an après avoir prêté serment, le chef de l'État, acculé de toutes parts, incapable de tenir les promesses faites à l'hémicycle. Le bilan de la gouvernance du statu quo, c'est à découvrir en pages 5, 6 et 7 chez nos amis du quotidien. Le messager disponible également en kiosque ce jour. Et comment ne pas également s'intéresser à l'œil du Sahel, le tri hebdomadaire est piloté par Gibaye Gatama ce matin, qui nous rappelle ici que ça fait 37 ans que Paul Biya est au pouvoir. 6 novembre 1982, 6 novembre 2019, Paul Biya est le testament d'Amadou Ahidjo, allant sa voix davantage à la page 3 chez nos amis de l'œil du Sahel. Et puis mutation également qui ne s'empêche pas d'en parler ce matin à la page 8. Le bilan, un an après,
aller dans le savoir, septena de grandes ambitions, des grandes opportunités plutôt. Qu'en est-il exactement? Mutation décrypte cet état des choses ce matin pour son lectorat. Tribune d'Afrique est aussi en kiosque ce matin. Oui, le journal de journaliste Faustin Ndikan, ou devrais-je plutôt dire directeur de publication, mais également journaliste. On peut lire la première de couverture de ce journal ce matin. 6 novembre 1982, 6 novembre 2019, Paul Biya, l'inoxydable, peut-on lire. Le temps a laissé juste quelques rides sur son visage, mais le jeune homme de 86 ans tient toujours le gouvernail Cameroun, d'une main de fer dans un gant de velours. Retour sur les 37 ans de pouvoir et qui ont mis le renouveau à l'épicentre du jeu politique national. Entre réussite et échec, le Cameroun est néanmoins resté debout, précise Tribune d'Afrique ce jour. Le journal, bien sûr, Faustin Djikam, qui invite son lectorat à lire son éditorial donc autour de ces 37 ans de renouveau de Paul Biya. Ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce côté à la bonne source, Christian Romain. Et voilà qui met un terme à cette première partie, un seul feu majeur, l'an 37 déjà, du renouveau du président Paul Biya. C'était le 6 novembre, nous étions là en 1982. Voilà, le président de la République, comment est-ce qu'il s'est réveillé ce matin? En cette période-là, qu'est-ce que tu faisais déjà? J'étais pas né du tout. Ah, t'es pas encore né? Mes parents n'étaient même pas rencontrés. Ah. Je suis né quoi, quelques années plus tard. Ok, d'accord. Allez. Mais tes parents étaient déjà nés? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais d'accord. Pas moi. Allez, on va s'intéresser aux autres faits d'actualité maintenant traités par la presse. Au-delà des 37 ans déjà du président Paul Biya au pouvoir au Cameroun. Info Matin nous amène du côté de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, siège des institutions. 12,6 nouveaux milliards à noyer dans le lac municipal. Le journal a enquêté donc pour son lectorat ce matin. Au moins 29 milliards de francs CFA ont déjà été engagés dans le même projet depuis 2015. L'argent s'étant manifestement trompé de poche, indique donc Info Matin ce jour à la page 3. Et le journal qui parle également d'atteinte aux droits de l'homme avec Donald Trump qui est donc... L'homme a tout faire. Quand Trump se trompe des cibles, indique donc le journal ce matin. En suspendant le Cameroun de la Goa, le chef de l'exécutif américain a oublié de faire l'inventaire dans son propre pays. Voilà donc le bilan qu'on peut faire de cet homme a tout faire, Donald Trump, qui pour certains trompe donc des cibles à en croit donc Info Matin quotidien qui le démontre ce jour à la page 2. Il y a donc matière à consommation ce jour. Et puis Diapason était aussi en kiosque ce jour. L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances nous invite en kiosque. Le journal revient sur le grand dialogue national et s'interroge à qui profite le flou persistant. Un mois après la sortie du grand dialogue national est tenu du 30 septembre au 4 octobre dernier, aucune orientation n'a été donnée sur les propositions faites à l'issue de ce grand rendez-vous. Rien n'a filtré jusqu'à ce jour sur l'accord d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, conformément à l'article 62 alinéa 2 de la Constitution. Le journal de poursuivre sur le terrain. Les déplacements des populations, les enlèvements, les assassinats et tueries demeurent des exercices a priori favoris pour les Ambazoniens. Le journal également qui nous amène en zone CEMAC. Oui, c'est un journal continental. 88,230 milliards de francs CFA pour le budget 2020. Bassin du lac Tchad, on y va également avec Diapason. Le Cameroun rétrocède de 6 milliards de francs CFA. C'est en page 6, cette information. Écho Matin, journal spécialisé sur les questions d'économie et de finances. Nous invitons en kiosque ce matin. Avec ce journal, on va au sein du patronat camerounais, le JICAM, qui procède à la réforme de son centre d'arbitrage. C'est en page 6, cette information. Budget 2019, la communauté urbaine de Douala réclame 21 milliards au trésor public. C'est le montant des recettes en attente de réversement dû à cette institution au 30 septembre
2019. Les 9 premiers mois de l'exercice budgétaire en cours dégagent par ailleurs des restes à payer de près de 24 milliards de francs CFA au poste comptable de la communauté urbaine de Douala. Le quotidien de l'économie est aussi en kiosque ce jour. Christian Penda Ecocar, c'est l'homme qui, dont le visage est en première de couverture du journal. Ce dernier, donc, de déclarer le Cameroun est économiquement paralysé et à genoux. Fin de citation. Dixit, donc, Christian Penda Ecocar du mouvement Agir. Le journal donc de renchérir en soulignant que l'ancien conseiller à la présidence de la République a finalement donné une conférence de presse hier à son domicile à Yaoundé. Information contenue à la page 5. Parlons d'entreprise ce matin. Le journal indique ici que l'hôtel Hilton de N'Djamena ferme ses portes le 21 novembre 2019. Et pourquoi? Allez le savoir en kiosque ce matin. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, cette fois, nous sommes à la page 3, toujours avec le quotidien de l'économie. Les résultats de la recherche bientôt exploités à des fins commerciales. Allez donc en kiosque pour en savoir davantage. Sa presse de Steve Wilfried Njoa à qui on dit d'ailleurs bonjour ce matin. Et donc, leitmotiv est peindre le monde ivre et écrit juste. Vous voudrez bien qu'on s'intéresse au transport ce matin. Information qui barre la une de ce journal. Jean-Ernest Ngalé-Bibié fait le plein de sa tasse. Ministre de la tutelle technique et incidemment président du conseil d'administration de la Compagnie nationale de transport aérien. Notre ministre, voilà, comme l'appelle ici sa presse, va avoir fort à faire et faire mentir. Au passage, l'adage selon lequel et qui trop embrasse mal étreint. Autre élément évoqué par sa presse, toujours autour des transports, avec comme tête de pro Jean-Ernest Ngalé-Bibié. Et le journal est de parler de la lanterne éclairée. Ce dernier est défini donc comme une lanterne éclairée selon nos amis du journal Sa Presse. Initiation et promotion du vivre ensemble en Sanaga maritime. Une question de conviction politique avec le rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est quelques qualificatifs ici attribués à Jean-Ernest Ngalé-Bibié par Sa Presse. Sa Presse également qui nous amène du côté de Bafoussam. À la page 3, il est indiqué que Paul Biya dépêche le génie militaire sur les lieux. Et comment ne pas aussi parler du port autonome de Douala, toujours avec sa presse. Le journal indique à ce propos que le groupe Bolloré reçoit un soutien de poids. Lequel soutien s'agit-il? Allez le savoir en kiosque. L'information est contenue à la page 9. La nouvelle expression voudrait bien qu'on s'intéresse aussi au transport aérien. La qualité du service désormais en débat dans la capitale économique Douala, la Cameroun Civil Aviation Authority, en abrégé CCAA, les ADC, la SECNA, les diverses compagnies aériennes et les représentants des ministères concernés débattent sur le sujet à Douala, ce depuis hier. L'information est contenue en page 4. Le messager, en plus de parler donc du septennat de grandes opportunités, voudrait bien qu'on s'intéresse également au Chan 2020. Garoua et Bafoussam hors jeu, précise donc le journal. Le journal indique à ce propos que les deux villes n'ont retenu comme site par la Confédération africaine de football. L'œil du Sahel de Gibaye Gatama nous amène d'abord du côté de Mora où deux charbonniers auraient été tués par Boko Haram. C'est en page 4. Toujours en page 4, le journal parle aussi des listes électorales. Fin des réclamations le 10 novembre 2019. Une date à retenir pour ceux qui s'intéressent à la société politique aux potentiels candidats aux législatives et municipales. Et puis le journal également qui nous amène du côté de l'hôpital des Foulanes où le personnel soignant est en grève. C'est en page 5 cette information. Donc, matière à consommation, matière à lecture chez nos amis du trio de Madère, l'œil du Sahel. On vous l'a dit, c'est un journal piloté par Gibaye Gatama à qui nous disons d'ailleurs bonjour ce matin. Nous sortons avec Mutation qui parle de diplomatie au Cameroun. Le coq chante, le cow-boy déchante, peut-on lire en première de couverture de ce journal. Pendant que Paris redynamise sa coopération avec Yaoundé, Washington fait grise mine. Information continue en page 9 chez nos amis de Mutation qui parlent aussi d'enquête. De quelle enquête s'agit-il? Ces enseignants
battus à l'école. Le cas évoqué, celui survenu donc hier du côté du lycée bilingue de Bonassama. Nous sommes là dans le 4e arrondissement. Un homme a tenu qui aurait donc roudoyé le personnel de cet établissement. Voilà donc ce qu'on peut retenir ce matin. Christian Omé, Momamanda, pour ce qui est de la revue de presse, version miniaturisée, style un peu plus spécial avec deux temps forts. Tout d'abord, la revue transversale et en second, la revue des autres faits d'actualité traités par la presse locale et continentale. Donc, Laura, nouveau mandat, il est pris pour demain. Well, thank you very much, Narcisse Moto. We can be sure today that whether it's the newspapers or the newscasts on radio or TV, wherever, everyone will be talking about the 6th of November. Everyone's going to be talking about the Lion Man today. It's practically his day, huh? It's son jour. Yes, it's the Lion Man's day. So feel free to watch STV 8 p.m. for the prime time news today with who again? René Narcisse Moto et Pitan Saucier. Mm-hmm. Et voilà. Elle a fait serment. Which is gentle self. Elle a fait serment. Allez, vous voyez, il travaille de bout en bout. Hein. Yeah. Disons-le comme ça, voilà. C'est déjà 6 heures et c'est 20 heures. Beaucoup de courage, mon cher. On va faire comment? On va aller. C'est un choix, on va faire comment? Soyez fort. Merci bien. Même Dieu voit. Prenez non. Dieu voit tout, il sait tout. Il sait tout. Exactly. Vous êtes là le matin à 20h, vous venez encore là pour le news. On va sur le terrain pour les reportages. En ce temps, mon frère. C'est ça qu'on appelle le multitask. Mandat, tu en sais quelque chose? But of course. Mais il faut également dire que toi également, Amanda aussi. Non, multitask. Pour multimillion. J'ai dit bien oui. Il faut dire que c'est multitask, ce n'est pas que l'apanage de rien. C'est toi également, on te voit faire souvent des reportages pour le journal, mandat pareillement. Donc, on est habitué, c'est un choix qu'on a fait, on l'assume. Maintenant, Dieu, comme on l'a dit, il sait tout, il voit Dieu tout. Voit. Maintenant, ceux qui ont le pouvoir. Le Dieu avec D, hein, pas le Dieu petit D. Voilà. Maintenant, ceux qui ont le pouvoir d'apprécier les efforts savent ce qui leur reste à faire. Dieu, non. Dieu petit D. Allez, mon cher. Oui. À demain, non? À demain, non, mon frère. How about some music to get you going? Si Michael Jackson, ça me ferait bien plaisir. J'en raffole de plus belle. FX. Je ne peux pas en trouver maintenant. Let's FX. Pardon, ouais. Is it even possible? Ouais, man, now.